Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan, dirigé exceptionnellement par Jean Larmande, assisté de Ségolène, diffusé en direct lundi 22 mai 2017, de midi à 13h30, et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de Michel de Rostolan que j'animerai aujourd'hui. En effet, Michel de Rostolan participait au voyage du Cercle Renaissance en Arménie et en Géorgie et il n'est revenu à Paris que fort tard dans cette nuit. Surtout après une dizaine de jours loin des remous politiques français, il m'avait demandé avant son départ d'animer cette émission. Comme c'est la première fois que j'ai cette responsabilité, je prie dès maintenant les auditeurs d'avoir la bienveillance de me pardonner mes probables erreurs au cours de cette heure et demie. Pour traiter de l'actualité géopolitique, qui est le thème de notre émission d'aujourd'hui, nous avons deux invités. Monsieur Pierre Hilard, qui est docteur en sciences politiques et professeur de géopolitique dans l'enseignement supérieur. Et il nous parlera, parce que ça fait partie un peu du thème, de son dernier ouvrage, qui est l'Atlas du mondialisme, qui paraîtra dans les jours qui viennent aux éditions Le Retour aux Sources. Notre deuxième invité est monsieur Marc Rousset, qui est chef d'entreprise, qui est un ancien élève d'HEC de Columbia, docteur en sciences économiques et qui est à la fois théoricien et praticien de l'économie. Et son dernier ouvrage, Adieu l'argent roi, place aux héros européens, a été publié aux éditions Godefroy de Bouillon. Et comme le précédent, d'ailleurs comme son précédent ouvrage, dont il reparlera aussi, qui est La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou. Le professeur Hilard, comme M. Rousset, seront présents le dimanche 25 juin à la fête de Radio Courtoisie, aux côtés de Michel de Rostolan, et pourront vous dédicacer leurs ouvrages au cours de cette réunion. Mais avant de leur laisser la parole, Notre invité Jean de La Fontaine, qui est l'invité permanent aux émissions de Michel de Rostolan, m'a en songe recommandé de vous lire une fable qu'il juge tout à fait adaptée aux changements politiques que nous vivons en ce moment en France. Cette fable, c'est « Les grenouilles qui ne demandent un roi ».
Et juste, pour ceux qui ne l'ont pas relu rapidement, on citera Jupin, qui est en fait la forme qu'utilise fréquemment Jean de La Fontaine pour Jupiter. Alors, les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gent marécageuse, gent fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau. De qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle s'approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue !» Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire « Et quoi ? Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre ? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » Je trouve toujours que Jean de La Fontaine, bien qu'ayant écrit de nombreux siècles avant nous, est toujours d'actualité. Dans tous les domaines, aussi bien la gestion d'entreprise que la vie quotidienne, que la vie politique et que... Alors, maintenant, pour ouvrir notre débat, je vous propose de traiter en deux parties. Une première partie où nous allons nous intéresser d'abord dans l'évolution actuelle de notre pays, parce que c'est sur la chose qui nous intéresse, qui nous préoccupe et qui est la plus proche de nous. Et dans un deuxième temps, nous franchirons les frontières en espérant qu'il en restera dans la demi-heure qui vient, et pour nous intéresser au reste du monde. Alors je vais demander à mes deux invités, de nous dire un petit peu comment ils voient la situation française aujourd'hui à la lumière des dernières semaines. Vous, oui. Monsieur Rousset, vous... Bien, je voudrais peut-être dire ou insister ou commencer avec d'ailleurs une attitude précautionneuse sur un thème qui m'est cher et qui a fait l'objet d'une chronique qui est sortie ce matin en exclusivité à 9h30 sur le site Metamag. Et je dis aussi aux éditeurs, parce que je sais par avance que je vais choquer certaines personnes, mais j'ai ça sur le cœur, je tiens à le dire, que j'ai voté Marine Le Pen contre Macron et que mon cœur est FN. Alors, ces précautions ayant été faites et ces choses étant dites, j'ai écrit une chronique ce matin, enfin qui est sortie ce matin dans le domaine public, en disant que le FN avait absolument besoin d'un nouveau chef charismatique et compétent. Je sais que certains auditeurs, patriotes et nationalistes, à juste titre, me disent, font souvent la remarque suivante, mais gardez-vous, les législatives vont arriver, c'est pas le moment de chercher querelle entre nous. Mais je pense que le problème est tellement grave, les choses ont tellement duré, qu'il faut absolument crever l'abcès, que j'appelle moi l'abcès Marine Le Pen et Philippot. Je dis bien, et je le pense profondément, Marine Le Pen est incapable, elle ne sera jamais présidente de la République. La prédiction d'Asselineau, d'ailleurs, qui a dit que je crois qu'en 2035, elle serait peut-être encore candidate. Et
Pour moi, c'est dur ce que j'ai dit, mais je tiens à le redire sur les ondes, j'ai eu le courage de l'écrire. Je dis que Marine Le Pen est incompétente parce que ça a été quand même, qu'on le veuille ou non, une fille à papa, qui n'a pas lu comme son père, qui a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse, trop sans doute, dans les boîtes de nuit, même si maintenant c'est terminé, je le reconnais. Et Marine Le Pen n'a tout simplement pas la compétence intellectuelle, ce qui fait que pendant le débat, certains de ses amis essayent de dire qu'elle a fait une faute passagère, mais non. Elle aurait très bien pu gagner brillamment le débat en étant aussi agressive qu'elle a été. Son problème, c'est qu'elle n'avait pas d'arrière-cour. C'est-à-dire que comme elle n'a pas la compétence, comme elle n'a pas l'érudition culturelle, dès que son partenaire lui renvoyait une balle, et ben malheureusement, par son incompétence, elle était incapable de tenir le choc et de s'affirmer. Il ne faut pas oublier non plus que Marine Le Pen, et ça c'est une vérité qui est incontestable, a été mise à la place du FN par népotisme. Au départ, les adhérents du FN n'en voulaient pas, c'est archi connu. Son père l'a imposé comme vice-président et responsable de la communication. Alors c'est vrai qu'elle a été élue tout à fait naturellement contre Bruno Gollnisch, mais avec aussi une aide très ostentatoire et très présente de son père. Donc, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime et d'une trop haute considération pour Jean-Marie Le Pen, même pour la famille Le Pen, pour tout ce qu'elle a fait, je lui suis gré, mais je pense en même temps que les nationalistes et le FN ne doivent pas non plus, d'une façon perpétuelle, ad vitam aeternam, vivre dans la PME Le Pen. Et il va falloir qu'on en sorte dans l'intérêt. Ce problème, j'étais un de ceux... Depuis 5 ans, je pressentais le problème. Il est arrivé, j'en parlais souvent à des amis, il était gros comme une maison. On veut cacher la vérité. Et je pense que si Marine Le Pen, qui veut, avec Philippot, changer l'enseigne, changer la couleur de l'enseigne, tout en restant, je le crains, en voulant s'accrocher au pouvoir, eh bien, si cela se produit, on aura changé l'enseigne, mais je pense que le FN n'aura absolument aucune chance de gagner les élections. Alors c'est très dur. Puisque comme que je le dis à tous les auditeurs, et je le dis publiquement, mon cœur est FN, mais ce que je souhaiterais, c'est que le FN gagne. Et pour qu'il gagne, eh bien je pense qu'il faut crever l'abcès Marine Le Pen, par sa personnalité, et Philippot, qui lui n'a pas un problème d'incompétence, mais est fondamentalement socialiste, a fait une erreur stratégique lamentable, en oubliant les fondamentaux du FN et en nous parlant que de souveraineté et d'euro, alors que 72% des Français sont favorables à l'euro. Il a donc commis une faute dans une entreprise qu'on appelait une faute lourde, et ne serait-ce que pour cette raison, et dans l'intérêt du FN qui doit revenir à ses fondamentaux, je pense qu'il importe qu'avant même Marine Le Pen, Philippot également quitte le FN. Alors voilà mon message. J'ai eu le courage de faire une chronique ce matin qui est publique. Je l'assume dans l'intérêt de mon pays parce que je pense qu'il faut crever l'abcès Marine Le Pen. Effectivement, on peut constater une chose, c'est même enfoncer les portes ouvertes. Marine Le Pen n'a pas une véritable culture politique, historique, religieuse, elle n'a pas de culture classique tout court. Je vais rebondir sur le poème de Jean de La Fontaine, cité par Jean Larmande. C'est amusant parce que j'aime évidemment énormément Jean de La Fontaine et je l'ai utilisé dans le prologue de mon livre « Atlas du mondialisme » où il y a une phrase de Jean de La Fontaine qui n'a pas pris une ride. Et il dit ceci « L'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité ». Et c'est d'une modernité, effectivement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, en ce qui concerne Marine Le Pen, j'ai suivi le débat face à Macron. Effectivement, elle a dit des bêtises, je pense en particulier quand elle parlait de l'écu. C'est quand même quelque chose de base. Ah oui. C'est pas un truc d'une subtilité qui demande... On pourrait peut-être pardonner. Là, c'est vraiment un truc de base où elle s'est plantée royalement. Alors que c'était son thème principal. Donc elle ne connaissait même pas l'objet de son thème principal. Le sujet de base, faute de base. Marine Le Pen n'a pas compris la différence entre monnaie commune et monnaie unique. C'est aussi simple que ça. Voilà, je peux vous en parler pendant 5 minutes. C'est ahurissant. Et voyez-vous, c'est ça qui m'a toujours frappé dans le cas du Front National. C'est que vous avez des éléments clés qui mettent à mal la France. Et en particulier, je vais citer par exemple le cas du marché transatlantique.
Ce marché transatlantique a été annoncé officiellement en février 2013 lors du discours du président Obama au Congrès des États-Unis. Il a fallu attendre mai ou juin 2013 pour que le Front National en parle et le condamne. Mais cette histoire du marché transatlantique, j'en parlais depuis des années. Je crois que la première fois, c'est 2003, avec un de mes livres, où j'ai, avec des documents officiels de la Commission européenne, etc. Lors du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n'y a pas eu cette information majeure avec le marché transatlantique dans le cas américain et le CETA dans le cas du Canada. Pas un mot là-dessus, alors que c'est un élément voulu par Macron qui va nous tuer, parce qu'en particulier, il y a cette volonté de faire en sorte que les tribunaux aient le dessus sur les États, et donc c'est vraiment l'argent roi qui va mener. Et puis il y a un autre élément clé. Elle a balancé lors de son débat une information qui est peut-être vraie, mais tant qu'on balance, quand on balance une information, il faut des preuves. Le coup d'un compte aux Bahamas. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. Elle n'aurait pas dû le dire. En revanche, il y a une information béton qu'elle aurait pu balancer devant 15-16 millions de téléspectateurs qui aurait littéralement fusillé Emmanuel Macron. C'est de parler de la fondation franco-américaine créée en 1976 par les présidents Giscard d'Estaing et l'américain Gerald Ford et qui a pour objectif de recruter, je cite, des personnes appelées à occuper des postes élevés dans les domaines politiques, économiques, journalistiques, l'armée. Et depuis 1981, chaque année, vous avez le recrutement de ce qu'ils appellent les Young Leaders, français et américains. Et là, avec le financement, évidemment, la chambre de commerce américaine, enfin bref, les sources de financement, voilà. Et elle aurait balancé, mais non. Vous êtes, monsieur Macron, le fils spirituel de François Hollande, qui est young leader de la promo 1996, et vous, Emmanuel Macron, vous êtes young leader de la promo 2012, et, ça, elle ne pouvait pas le dire à l'époque, mais on le sait depuis quelques jours, dans la promo 2012, outre Emmanuel Macron, il y a Édouard Philippe, le Premier ministre. Bon, ça, il ne pouvait pas le dire. Mais parmi tous les autres young leaders depuis 1981, il y a Alain Juppé, comme par hasard. Il y a des journalistes comme Laurent Geoffrin. Il y a Chris Nocrent. Il y a Laurent Wauquiez, l'ancienne maintenant ministre de l'Éducation nationale. C'est plus le cas, c'est Blanquer. Belkacem. Enfin bref, elle balançait ça. Elle prouvait les liens mondialistes de ses dirigeants français avec les instances européistes et les instances des États-Unis. Elle balançait ça, elle était inattaquable, elle ne l'a pas fait. Et pourtant, elle a eu les informations, je peux vous le dire, c'est moi qui lui ai donné, enfin, un de ses collaborateurs. Voilà. Tout à fait. Je voudrais dire aussi un petit mot au sujet de Marion. J'ai le plus grand respect pour l'intelligence qu'elle représente, pour sa tendance. Autant je conteste le socialisme de Philippot, autant je suis favorable à la tendance Marion, qui me paraît l'avenir du BFN. Mais là, je reprendrai les termes de Jean-Marie Le Pen, qui a parlé de désertion. Je ne partage pas tout à fait. C'est vrai, on a considéré qu'elle faisait cela pour des raisons tactiques, pour éviter justement de créer une querelle à l'intérieur du FN. On a parlé de sa petite fille. Mais je ne suis pas persuadé que son attitude ait été une bonne chose pour la France. Et elle aurait au contraire ouvert sa bouche d'une façon plus forte et plus percutante. Au lieu de donner ce sentiment d'échec, d'opération ratée qui anime quand même malheureusement les vrais patriotes, d'entendre une voix qui aurait apporté un message contestataire d'avenir, aurait pu aussi être très bénéfique dans cette situation. Donc je suis pas sûr que le côté désertion, entre guillemets, comme a pu le dire Jean-Marie Le Pen, ait été une chose excellente. Parce qu'il en reste justement une espèce de marasme intellectuel. Marine Le Pen qui n'a pas été contestée d'une façon assez forte. Justement, j'ai répondu dans ma chronique de ce matin à ce chroniqueur de Boulevard Voltaire qui disait, et c'est ça qui m'a animé d'ailleurs de crever l'abcès Marine Le Pen, qui disait assez du Marine Le Pen bashing. Et ben je dis non, il faut continuer le Marine Le Pen bashing, non pas par idée de faire
du mal, mais pour le bien du FN, jusqu'à ce que Marine Le Pen quitte la tête du FN. Voilà un petit peu mon attitude. Et je regrette que Marion, certains ne partageront pas mon point de vue, et sont plus favorables à l'aspect diplomatique qu'elle a cru adopter. Mais je pense qu'à court terme, en tous les cas, pour la France, c'est pas une bonne chose qu'il n'y ait pas eu une petite explosion qui aurait certainement déstabilisé davantage Marine Le Pen. Et je souhaiterais également dire un petit mot, puisque nous sommes dans l'actualité de la France, qui est le thème qui nous anime en ce moment, sur ce qui me chagrine. Donc j'en termine avec mes rancœurs personnelles, et j'espère que les auditeurs m'auront compris. Je répète, mon cœur est FN, et je souhaite que le FN gagne, c'est ça. Si je fais ça, c'est pas pour faire du mal, c'est pour que le FN gagne à terme. Parce que si on avait fait ça plus tôt, c'est le même problème que l'immigration. On attend que le truc nous tombe sur la tête, et bien le truc nous est tombé sur la tête pendant le débat. Bien l'immigration, depuis le temps, ça fait faire 40 ans qu'on repousse les échéances, et ça continue à nous tomber sur la tête. Et avec Macron, j'attire l'attention des éditeurs, c'est pour les histoires du salaire de Pénélope, et bien on va se payer 300 000 immigrés de plus par an pendant 5 ans. Ça va faire 1 500 000 immigrés, tout ça pour les petites histoires de Pénélope. Alors ce qui me chagrine actuellement, et c'est le deuxième cri du cœur dont je voudrais faire part aux auditeurs, c'est la campagne qui est complètement biaisée, justement suite à ces erreurs qu'ont pu faire Marine Le Pen et Philippot, suite à ces républicains qui manquent de conviction, qui nous parlent à juste titre de fiscalisme, mais qui sont trop tournés vers le pouvoir d'achat. Eh bien l'homme ne vit pas que de pain, l'homme vit, surtout les Français, il suffit d'aller au Châtelet, on ne vit pas que de pain. Prenez le RER pour aller à Roissy et voyez que nous sommes victimes d'une invasion migratoire. La campagne actuelle ne parle que de business et d'Europe. Voilà. Alors en plus, je dois dire, moi, à titre de l'Europe, ça me plaît, parce que j'ai écrit la nouvelle Europe de Charlemagne, mais malgré tout, je pense que nous, hommes de droite, je me sens particulièrement frustré, parce que plus personne ne parle d'immigration, d'identité. Et nous avons à la tête de la France un homme du business, un homme qui parle anglais, moi j'aime parler français, je signale que je suis diplômé de Columbia et de Harvard, et malgré tout, je défends la langue française, et je suis membre d'Avenir la langue française avec Albert Salon. Voilà. Mais lui, attendez, lui parle anglais en Allemagne. Oui, et justement, si je veux dire, ce scandale d'être allé parler, et puis alors la francophonie avec Macron, vous allez voir ce que ça va donner, ça va pas être triste. Hein. Vous savez qu'ALENA, ils viennent d'imposer l'anglais comme langue unique au concours d'entrée. Voilà. Alors avec Macron, pour enlever ce scandale, on est mal parti. Donc, au lieu de parler de problèmes d'immigration, de valeurs traditionnelles, de la GPA qui va nous arriver, le thème est déjà la gestion pour autrui, est déjà dans les limbes, puisqu'on en parle déjà dans les journaux. Les problèmes démographiques, j'attire attention, nous avons une démographie en France qui est catastrophique. Le taux de fécondité des femmes européennes est de 1,6, le taux de fécondité de la population immigrée de 3,4. Donc il faut justement revenir à une forme de gaullisme. Nous allons vivre dans un monde, et j'en fais partie de ce monde, l'économie, je suis docteur en sciences économiques, j'étais chef d'entreprise pendant 30 ans, donc je suis bien placé pour le connaître. Et bien je dis non, il faut que le politique prime sur l'économique. Voilà. Que nous ayons des bons économies, c'est une chose. Que nous fassions une bonne économie, c'est certain. Avec De Gaulle et avec Pompidou, j'attire l'attention des auditeurs, l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Mais il faut que le politique prime sur l'économique et que ce politique, évidemment, ait une vision à long terme, que ce ne soit pas une vision au-delà d'essayer de nous vendre Macron. Parce que finalement, Macron parle, mais il n'a pas de vision à long terme civilisationnelle. C'est du business à court terme. Et puis dès que les élections, dès que les gens seront élus, nous allons tomber dans le libre-échangisme, dans la soumission au monde anglo-saxon. Voilà ce qui nous attend avec Macron. Et tout son discours, ce n'est que du cache-sexe pour nous tromper. De même que son parrain Hollande nous avait parlé de la finance, et on a vu ce que ça a donné. Hein. La finance, ça se termine pour nous mettre un successeur qui, lui, est un banquier qui vient de chez Rothschild, n'est-ce pas?
voilà. Donc le problème fondamental de la campagne, ça c'est mon deuxième thème, c'est cette campagne qui, où la droite ne se bat pas sur son terrain et s'est laissé embarquer bêtement, comme sur une pente, vous savez, glissante, ce qui fait qu'on ne parle plus du tout des thèmes porteurs de l'identité, de la civilisation et de l'immigration. Monsieur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, le général de Gaulle disait « la politique de la France ne se fait pas la corbeille ». Alors là, avec Macron, on en est loin. Alors, je rappelle une chose, il y a plusieurs choses à dire. En particulier, il faut rappeler la loi du 3 janvier 1973, qui a été quand même lancée par Pompidou et son collègue et bras droit Giscard d'Estaing, donc qui est quand même l'assujettissement de la France aux puissances financières. Je rappelle que Georges Pompidou était dans les années 60 le trésorier de la Pan-Europe France. Pan-Europe qui est un mouvement mondialiste pour l'Europe, avec des branches nationales, françaises, italiennes, espagnoles, etc., et qu'évidemment, la Pan-Europe est une mauvaise chose, puisque c'est ça promeut des instances supranationales. Je rappelle que la Pan-Europe favorise, comment dire, le syncrétisme en plus entre toutes les religions. Enfin bref, c'est vraiment antinational. Et la Pan-Europe a joué un très grand rôle, en particulier dans la création de la Charte des langues régionales et la Convention 4 pour la protection des minorités. Or, parmi les présidents d'honneur de la Pan-Europe, il y a un certain Jacques Chirac. Donc il y a pas mal de contradictions. Une chose à dire à propos de l'immigration, je rejoins vos propos évidemment, c'est que le Front National et Marine Le Pen, là aussi je reviens à ce fameux débat avec Emmanuel Macron, n'a jamais évoqué, avant de donner l'information, une règle d'or. Quand on discute avec quelqu'un, et entre autres pour un débat, on balance des informations sourcées, référencées, officielles. Comme ça on est inattaquable et on coince l'ennemi. Et Emmanuel Macron n'est pas un adversaire, c'est un ennemi de la France. Pour l'immigration, il y a un élément clé qui permet d'avoir une photo du phénomène migratoire en France. C'est une agence gouvernementale qui s'appelle, alors le sigle c'est l'AFDPHE, l'Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant, qui traite de 5 maladies concernant les nouveau-nés avec un test prise de sang, etc. Et par exemple, il y a là, parmi les 5 maladies, la mucoviscidose, d'accord. Mais parmi ces 5 maladies, il y en a une autre, qui est la drépanocytose. Qu'est-ce que la drépanocytose? Alors, je reprends exactement, en fait, ce que j'ai écrit dans mon livre « Atlas du mondialisme » aux éditions Euroto-Ressources, c'est que la drépanocytose concerne malformation des globules rouges. Très bien. Ce site, cette agence gouvernementale française dit à qui on applique ce test. C'est écrit noir sur blanc. Ce test est appliqué aux populations d'Afrique du Nord et aux populations noires. Donc, quand on fait le test à un nouveau-né, on sait s'il est blanc, noir ou arabe. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le test aux blancs. On le fait aux populations, aux nouveau-nés noirs et arabes. C'est purement scientifique ce que je dis. C'est ce que dit cette agence. Or, ces tests sont faits en France métropolitaine depuis les années 2000, et pareil pour les départements d'outre-mer. J'ai mis dans mon bouquin « Atlas du mondialisme » le dernier rapport officiel de 2015 du test de la drépanocytose. Vous avez eu, en 2015, 38,8% des naissances à avoir le test de la drépanocytose. Cela veut dire qu'il y avait donc 38,8% de naissances de noirs et d'arabes à avoir donc besoin de ce test. Et région par région, c'est 8 et quelques pourcents de naissances en Bretagne à avoir eu ce test, 42-43% pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'Île-de-France, il y a eu 73,4% des naissances à avoir ce test. Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, 100%. Et pour Wallis et Futuna et la Polynésie française, 0,28%. Donc on a une photo scientifique, médicale, officielle de l'Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant. Pourquoi Marine Le Pen, elle et toute l'équipe, n'en parle jamais? Voilà. Jamais. Elle aurait été inattaquable, c'est scientifique, c'est officiel. Pas un mot. Alors aussi, j'ai mis cette information, le tableau officiel, le rapport officiel dans mon livre « Atlas du mondialisme ». Donc vraiment, il y a plein d'éléments comme ça qui montrent, en fait, qu'ils ne veulent pas véritablement défendre la France. Parce qu'il y a des arguments solides. Je vous citais le cas du marché transatlantique. Les documents en faveur du marché transatlantique, ils sont
sur le site de la Commission européenne. On ne peut pas faire plus officiel. L'immigration, pareil. Enfin, il y a plein d'éléments. Et ben non, il y a un blocage. Il doit y avoir des raisons. Je voulais aussi mettre un point, puisque nous parlons de la France, d'un chiffre, chers auditeurs, qui montre, parce que finalement on nous vend, c'est tout est beau, tout est gentil avec Macron, hein. C'est le monsieur de la com, hein. C'est le produit de lessive, et sachez que je l'ai appris, puisque je suis passé par les écoles de gestion, le marketing, je connais. Mais le côté décadence, le désastre de notre situation économique, eh bien, je vais vous livrer par deux chiffres qui vont certainement d'ailleurs vous faire peur, et puis qui sont la réalité, comme disait notre cher ami. Si vous le savez, la dette publique française est de 2100 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près, on vient juste de dépasser le produit intérieur brut français, nous sommes à 100% du PIB. Ça représente, vous divisez par le nombre de Français, ça représente 36 000 euros par Français. 36 000 euros, ça commence déjà à faire une somme. Eh bien, chers amis, sachez que notre dette, pour tout bébé qui naît en France, ou pour tout Français même en fin de vie, c'est pas 36 000 euros, mais 84 000 euros. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu la gestion d'entreprise, vous avez des dettes qui sont financées, puis vous avez dans les entreprises, dans les bilans, et puis dans les comptes d'exploitation aussi, on passe ce qu'on appelle des dotations pour provision. Les dettes, les futures retraites à payer des fonctionnaires ne sont pas provisionnées. Actuellement, vous savez qu'il y a des discussions sous forme d'un consortium de pays, des principaux pays européens, pour discuter du prêt à la Grèce de 84 milliards d'euros. Ce prêt sera fait, en fait, sera un prêt, on ne passera pas par la structure européenne, mais sera un prêt direct d'État à la Grèce. Bien, si la Grèce, comme c'est absolument certain, un jour ou l'autre, lorsque la Grèce fera défaut, eh bien, cet argent, pour la part française, qui doit être de l'ordre de 20% à peu près de ce prêt de 80 et quelques milliards, sera perdu. Bref, si vous provisionnez des tas d'exemples, comme je vous le dis actuellement, cela représente 150% de plus, c'est-à-dire que c'est 48 000 euros. C'est-à-dire que la dette par français, c'est 36 000 euros, plus 48 000 euros, soit 84 000 euros. Et notre dette, ce n'est pas 2100 milliards, mais c'est 2100 milliards qui représentent 100% du PIB, plus 150%. Donc nous arrivons à des chiffres absolument donc d'ordre de 250% du PIB. C'est pour vous dire, je le répète, 84 000 euros par Français, à quel point la situation est grave, à quel point on a besoin de gens sérieux pour redresser la situation. Et dans le redressement de la situation, on peut, et je suis favorable à beaucoup de mesures pour relancer l'entreprise, mais il ne faut pas oublier le coût de l'immigration, qui représente environ, et ça on n'en parle pas, 70 à 80 milliards par an depuis 40 ans. Alors, vous mettez 80 milliards par 40, on obtient des chiffres absolument astronomiques. Et c'est une des réalités dont également on ne parle pas et qui est absolument fondamentale. L'immigration ruine la France. Elle nous ruine dans notre âme, elle nous ruine dans notre qualité de vie. Elle nous ruine économiquement. Nous avons nos braves descendants de nos ancêtres gaulois ou européens qui, eux, meurent sur les trottoirs en tant que SDF, et puis pendant ce temps vous avez le gouvernement qui loue qui achète des hôtels Formule 1 au groupe Accor pour loger les immigrés dans des bonnes conditions. Vous imaginez aussi tout ce que cela coûte avec les dotations qu'on leur donne, avec l'AME, etc. L'appel d'air. Voilà. Donc c'est pour dire que la situation est grave et que l'immigration fait partie de la gravité de la situation. Or, actuellement, vous regardez, vous écoutez sur les antennes, personne ne parle d'immigration. Voilà, c'est le sujet qui a complètement disparu, alors que c'est le problème numéro un
de la France. C'est l'invasion migratoire qui est critique. Lorsque vous entendez notre ami nous parler de naissances qui aujourd'hui sont de l'ordre de plus de des 70%, pour vous imaginez France. Pour l'Île-de-France à quel point la situation est grave. Eh bien, tout le monde est là c'est, à rêver, à attendre que les choses s'améliorent. Non, ce n'est qu'en réagissant d'une façon courageuse. Or, Marine Le Pen, à ce niveau-là, ne fait pas son travail. En voulant plaire et dédiaboliser, eh bien, finalement, ça montre d'ailleurs que la dédiabolisation, c'est une mauvaise politique, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut, au moment du... les gens rigoleront, et au moment des élections, elle sera toujours diabolisée. Donc, il faut en terminer avec ces histoires de diabolisation, il faut mettre les Français en face des réalités, et faire un peu ce qu'a fait l'AFD en Allemagne, j'attire votre attention, il y avait deux politiques, le côté... deux attitudes à prendre, plaire aux électeurs pour gagner les élections, mais finalement, l'AFD a eu le courage de dire, nous, on n'est pas là pour plaire aux électeurs, nous voulons parler la vérité et dire ce qu'il en est avec nos convictions profondes. Et je pense que c'est une attitude qui, à long terme, est beaucoup plus porteuse pour le FN. Pardon, allez-y. Il y a deux messages qui viennent conforter un peu ce que... Allez-y. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelant, animé par Jean Larmande, sur le thème « Tour d'horizon sur l'actualité géopolitique ». Les invités sont... Monsieur Pierre Hillard, universitaire, auteur de « Atlas du mondialisme » aux éditions Le Retour aux sources. Marc Rousset, chef d'entreprise, auteur de « Adieu l'argent roi, place aux héros européens » édition Godefroy de Bouillon. Un auditeur. D'accord, il faut changer ou remanier le FN et prendre des hommes comme Gollnisch ou Stirbois. Un auditeur. Les choses n'iront pas mieux sans Marine Le Pen. Ce n'est pas le FN qu'il faut changer, ce sont les Français. Rappelez-vous ce que disait Céline. Je crains d'ailleurs qu'il faut prendre ça dans un sens et pas dans l'autre, parce que changer les Français, il y a un certain nombre de gens qui s'en occupent fortement, comme M. Hillard vient de nous le dire. Les chiffres sont accablants. On dit effectivement que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, mais c'est quand même, il y a une part de vérité. Ah oui. Alors je voudrais citer deux faits à ce sujet, en étant très bref. Un, c'est quand même l'attitude des Français. Lorsque un monsieur que je porte pas dans mon cœur qui s'appelle Alain Juppé, à un certain moment dans son gouvernement, a fait un acte de courage en parlant des retraites, et qu'on a vu, j'estime, moi ça m'a, j'ai eu mal au cœur à l'époque de voir tous ces syndicats dans les rues qui voulaient pas voir la vérité en France. On a toujours le problème des retraites sur les bras, et je pense aussi une forme de manque de courage des Français. Il est anormal que nos enfants, nos petits-enfants se fassent assassiner dans les rues, qu'on ait des choses comme le Bataclan, qu'on ait 1 million de personnes à la manif pour tous, c'est très bien, mais que lorsqu'on se fait assassiner dans les rues et que les gens n'aient plus le courage de descendre dans les rues pour dire c'est assez et d'en terminer, eh bien c'est un manque de courage et un côté veulerie du peuple français actuellement. Il n'a pas toujours été comme cela, mais aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus le... De Gaulle, d'ailleurs, l'a fait sentir plusieurs fois. Il n'y a plus de réaction, quoi. Il n'y a plus de ressort. Il est vrai que les médias aussi continuent à décérébrer les personnes. Et l'éducation nationale. Concernant la France, puisque c'est toujours cette partie, il y a un autre point que le Front National n'évoque pas, enfin, le dirigeant du Front National n'évoque pas, qui est un point capital. Il y a des années de ça, enfin, dans les années 2003, vous avez le gouvernement Raffarin. Ça concerne, vous allez voir là, tout ce qui a trait à la régionalisation, au démembrement de l'État français au profit des instances européistes. Vous avez le gouvernement Raffarin, en 2003, qui a confié la gestion des fonds structurels au Conseil régional alsacien. Normalement, les fonds structurels, c'est la manne financière pour tout ce qui est, aider les régions plus ou moins développées à construire des routes, des hôpitaux, etc. Et cet argent, donc distribué par Bruxelles, mais lui-même recevant cet argent des différents États de l'Union européenne, distribué par Bruxelles, était donné au préfet, donc représentant l'autorité, et ensuite, en fonction des besoins de chaque région française, distribué tant de milliards. En 2003, vous avez un début de révolution où le gouvernement Raffarin a fait en sorte que le Conseil régional alsacien donc ne reçoive plus l'argent du préfet, mais très directement avec l'instance supranationale de Bruxelles. Donc,
pour recevoir l'argent, cette manne financière de plusieurs milliards d'euros, depuis 2003, Conseil régional alsacien s'adresse uniquement à Bruxelles. Les autres régions françaises, littéralement, les dirigeants bavaient d'envie et exigeaient le même droit. Lors des élections présidentielles de 2012, le candidat Hollande avait promis que ce privilège alsacien serait élargi à toutes les régions françaises. C'est chose faite. Depuis le 27 janvier 2014, toutes les régions françaises, passées de 22 à 13 régions, petite modification mais fort intéressante pour créer des blocs régionaux importants dans le cadre de l'Europe, depuis le 27 janvier 2014, grâce, on peut dire, au président Hollande, toutes les régions françaises traitent directement avec les instances européistes pour une somme, je crois, pour la France en tout cas, qui tourne autour des 27-28 milliards d'euros. C'est-à-dire que désormais, l'interlocuteur du conseil régional, c'est Bruxelles, ce n'est plus l'État, ce n'est plus le préfet. Donc on a un retour d'une féodalité. Vous savez, quand il y a de l'argent, il y a automatiquement des dérives, des pots de vin, et Bruxelles grouille de lobby avec la pression américaine. Je rappelle le fameux discours du président Bill Clinton, qui a reçu en 2000 la plus haute distinction européenne. Là déjà, il y a un truc qui colle pas avec le prix Charlemagne, prix qui est donné chaque année depuis 1950 à une personne œuvrant en faveur de la construction européenne. Alors c'est l'ont reçu Charlemagne. Ah ben voilà, l'ont reçu entre autres, bon, Giscard d'Estaing, c'est normal, il a un CV parfait. Angela Merkel, l'ont reçu quand même les papes Jean-Paul II et le dernier en 2016, le pape François. Et en 2000, vous avez le fameux Bill Clinton qui rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Mais pourquoi ? Ben parce que toutes les grandes multinationales vont s'adresser directement via Bruxelles, directement à ces conseils régionaux. Donc l'État français, ben, il disparaît. Donc c'est vraiment... Et le Front National, qu'est-ce qu'il a dit ? À ma connaissance, rien. Rien. D'autant plus que quand on voit... avec un autre pays que je connais bien, qui est l'Espagne, l'effet dramatique de ces aides régionales, etc., qui a permis de construire des aéroports qui sont ouverts une heure par jour pour un avion, qui vient de Madrid, qui s'y pose et qui repart, qui sont, ou bien d'autres qui ne sont jamais ouverts parce qu'il n'y a pas d'avion, parce qu'il n'y a pas de passagers, des gares de TGV situées à une heure de train de banlieue de Madrid, auxquelles il y a trois trains par jour, mais on a voie ferrée passe par là, etc. Ça a été une gabegie absolument inadmissible. Et là, effectivement, on va pouvoir, grâce aux potentats locaux, faire la même chose en France. Et le Front National, je ne l'ai pas entendu. Ou bien s'il en a parlé, c'est vraiment en catimini. Voilà. Donc c'est un exemple qui montre les gens au Front National sur des sujets, mais vraiment net, précis, carré, pas un mot. Mais à quoi ils servent ? Ça, c'est la ligne Philippot, c'est dédiaboliser, c'est ne pas choquer, et finalement, ça ne marche pas. De toute façon, maintenant, la preuve est faite. Il faut arrêter de discuter. La preuve est faite que ça ne marche pas, et que donc, il faut revenir au... Autant rester authentique. Au racine authentique. Et c'est d'autant plus lamentable, c'est que... Et c'est là, je pense, que je dis bien ça, j'en reviens pour Marine Le Pen. Elle a cru que parce qu'elle avait des pourcentages de voix augmentés, que c'était de son fait. Mais elle avait une situation en or, je dirais n'importe quel imbécile à la tête du FN était capable d'avoir les scores qu'elle a obtenus dans une situation telle qu'on la connaît, lorsqu'on assassine les gens dans la rue, lorsque vous voyez une invasion migratoire, et bien vous mettiez n'importe quel chef, aussi médiocre soit-il, il aurait fait aussi bien que Marine Le Pen. Voilà ce dont il faut être conscient. Bon, nous sommes à une heure moins le quart à peu près, donc je crois d'abord qu'il y a un bobino à passer, et ensuite, si vous en êtes d'accord, nous allons franchir ce qui nous reste de frontières pour nous intéresser à la situation du monde et à son effet sur la France. Dimanche 25 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrecher, métro porte de Champéret.
Entrée 5 euros. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Après ce Bobino, nous allons maintenant passer, donc, comme je le disais, sur le monde. Et avant cela, nous allons prendre pendant quelques minutes l'éditeur Anthony François, qui est l'éditeur de M. Hillard, sur son attirance du mondialisme. Et ce que je voudrais lui demander, il est en ligne ? Oui, absolument. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Donc, je voulais vous demander rapidement, parce que comme vous avez dû voir, nous avons beaucoup de choses à traiter, rapidement, oui. Vous demander pourquoi vous avez publié cet ouvrage. Bien, ben d'accord. Bien, d'abord, merci à vous de nous accorder ces quelques minutes sur votre antenne pour nous permettre de présenter le livre à travers le regard de l'éditeur, en quelque sorte. Bon, ben, alors pour répondre à votre question, d'abord, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Pierre Hillard, puisque nous avions déjà édité son précédent ouvrage « Chronique du mondialisme » paru en 2014. Alors évidemment, connaissant le sérieux de l'auteur, sa popularité et surtout la précision de ce qu'il énonce et de son travail, lorsqu'il nous a sollicité pour la parution de cet atlas, nous n'avons pas hésité une seule seconde, puisqu'il apparaissait qu'il s'agissait là d'une œuvre, je vais le dire, fondamentale, qui tente de reconstituer un véritable puzzle planétaire qui décrit par le menu, et jusque dans ses racines, en quelque sorte, dans ses racines les plus profondes, les origines du mondialisme. Voilà. Ensuite, il y a évidemment la forme du livre, pour un éditeur, c'est important. Donc ce livre qui se présente sous la forme d'un atlas nous a enthousiasmés, puisqu'à ce jour et à notre connaissance, il n'existe aucun atlas qui traite de la formation du mondialisme. C'est donc là aussi un travail tout à fait original. Ensuite, bon, évidemment, ça c'est pour une question de forme, mais pour revenir au fond, il y a le travail de documentation et de recoupement d'informations qui nous a été soumis pour arriver à produire cette sorte de super note de synthèse, donc illustré par des cartes dont je le précise, certaines sont difficilement trouvables aujourd'hui puisqu'elles proviennent d'ouvrages extrêmement anciens qui proviennent eux-mêmes des archives de l'auteur. Je pense notamment au livre d'André Chiradam, mais là je pense que c'est Pierre qui pourra nous en dire plus. Donc il nous est apparu à la lecture de ce travail que c'est également un livre qui véritablement pourrait faire date. Et là je pèse mes mots puisque ce livre procède d'une approche holistique, en quelque sorte, qui regroupe en son sein donc des approches aussi variées que celles de la géopolitique, de l'histoire, ou même de la théologie. Voilà. Enfin, cette approche historique est totalement inconnue à ce jour. Ce sont des informations inédites. Donc il était important pour nous c'était surtout l'occasion pour nous de les rendre disponibles. Et puis vous le savez peut-être, c'est un peu aussi notre créneau aux éditions Le Retour aux Sources, puisque nous publions aussi, pas que, mais aussi les travaux de l'Américain Anthony Sutton. J'ai l'habitude de dire, sans vouloir faire de parallèle abusif, que Pierre Hillard est un peu notre Anthony Sutton français. Alors, pour vos auditeurs qui ne connaissent pas Anthony Sutton, je les renvoie aux travaux de cet auteur. Ils sauront, à mon avis, faire le rapprochement avec Pierre sous bien des aspects. Voilà. Enfin, pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, eh bien, il suffit de se rendre sur notre site, puisqu'il est en ce moment même et jusqu'au 31 mai 2017 en pré-vente. Donc, notre site, c'est leretouraussources.com. leretouraussources.com en minuscule et tout attaché, au prix de 36 euros au lieu de 45. Et donc c'est un livre qui se compose de 300 pages sur un format de 29/29 avec une couverture cartonnée et évidemment des cartes en couleur et tout cela couché sur du papier glacé. Voilà, on a essayé de produire un objet livre à la hauteur de l'expertise qui nous est proposée ici par Pierre Hillard. Et les livres seront expédiés à partir du 10 juin prochain. Voilà, donc pour se procurer l'ouvrage, leretouraussources.com. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi, voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant revenir. Merci, Anthony. Alors, merci. Nous avons deux auditeurs. Je reviens juste sur ce qui a été débattu précédemment. J'ai eu juste deux points de vue des auditeurs. L'une, si vous me permettez, c'est s'il vous plaît, cessez
cesser d'attaquer continuellement Marine Le Pen, même si elle a des défauts de sa part. Cette radio hurle avec les loups. Ce n'est pas de cette façon que les choses changeront. Mais d'un autre côté, quelqu'un aussi nous dit Marion a eu raison de sortir de ce guépier, elle a évité de se mêler aux disputes et a gardé son image pour le futur. Je crois que ces deux éditeurs, je pense, expriment deux visions assez concordantes d'ailleurs sur la situation. Mais donc, maintenant, si vous le permettez, donc, on va rebondir un peu sur la vision du le mondialisme et la vision du monde, puisque aujourd'hui, je crois que un des clivages, ou certainement le clivage le plus important pour nous, vu de France, c'est la nation ou le mondialisme. Et d'ailleurs, un des auditeurs vient de nous le dire, hein, c'est un autre message. Pour les jeunes, la France est un pays comme les autres. Ils sont mondialistes, ils n'ont pas peur du libre-échange, de l'immigration, etc. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Et là, c'est aussi un peu largement le résultat d'un système éducatif et d'un système médiatique que nous subissons. Désolé, c'est le lime que vous avez volé. Le mondialisme, on pourrait y passer une dizaine de journées, je pense, non-stop. Je pense qu'un des points très importants à mon sens aujourd'hui, c'est la réémergence de la Russie, qui après la disparition de l'Union soviétique, le passage par la case de quasiment disparition, etc., réapparaît avec un rôle important et très fortement attaqué, d'ailleurs, puisque quand c'est eux qui sont les coupables de tous les bombardements, mais quand il y a des bombes qui tombent sur un hôpital, si c'est pas eux, on n'en parle pas. Alors, à ce sujet, je voudrais faire part de ma sensibilité. Avant même de parler de la Russie, pays qui m'intéresse particulièrement, puisque j'ai créé la Nouvelle Europe Paris-Bal à Moscou, mais cette sensibilité qui est la mienne en matière justement de cette fameuse opposition fondamentale nation-mondialisation, j'apporte un bémol, parce que autant je défends l'identité française, la langue française, je souhaiterais que c'est clair que la langue de l'Europe soit le français, ou sinon ce sera l'espéranto, mais jamais l'anglo-américain, les choses sont claires, parce que sinon ce sera la soumission et la colonisation. Mais en tant qu'économiste, et même en tant que... si on a des motivations géopolitiques et militaires, nous ne pourrons pas survivre à terme au XXIe siècle si nous n'avons qu'une approche hexagonale. Oui, pour notre identité dans l'hexagone, pour la langue française, pour la francophonie, pour les valeurs sociétales. Hein, si nos valeurs sociétales s'effondrent, bon, Bruxelles y contribue, mais c'est essentiellement les gouvernements et les Français qui, par leur manque de courage, ils auraient été peut-être un peu plus violents ou menaçants dans la manif pour tous, les choses se seraient passées différemment. Et ce que je souhaiterais apporter au débat, c'est justement garder cette notion de France étatique. Pour cela que je crois beaucoup plus aux confédérations actuellement. Je pense que nous ne sommes pas prêts pour des fédérations. Mais il faut sortir aussi du cadre de la nation, parce qu'il est trop étroit. Vous prenez le TGV, en deux heures, vous êtes vous faites Paris-Stuttgart, vous allez plus vite aujourd'hui, ou deux heures et demie, vous allez plus vite de Paris à Stuttgart que de Paris à Nice, n'est-ce pas ? Donc, ce que j'ai toujours appris en économie, c'est que pour survivre, il nous faut un marché minimum de 160 millions ou 200 millions d'habitants. On a besoin d'économies d'échelle. Pour toute entreprise novatrice, il faut un marché minimum. Si vous voulez faire des Airbus, si vous voulez faire des Ariane, il faut sortir du cadre européen. Et donc, oui pour la France, mais
en vivant au XXIe siècle, le congrès de 1815 avec Talleyrand est terminé. Nous vivons aujourd'hui avec des grands ensembles, on va en parler tout à l'heure, des choses comme la route de la soie, si vous voulez bien, ou avec des entités comme la Chine, le Brésil. J'étais directeur de Rhône-Poulenc Brésil, à l'époque il y avait 100 millions d'habitants, aujourd'hui vous en avez 200 millions. Vous avez des pays comme les États-Unis dont la population aujourd'hui est de l'ordre de 350 millions d'habitants. Vous avez l'Inde avec 1,2 milliard. On ne peut plus vivre dans un contexte où l'Europe dominait le monde, où la France, avec ses 25 millions d'habitants, ou 30 millions, je vous rappelle, lors des révolutions, était la Chine de l'Europe, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous ne sommes plus la Chine de l'Europe et du monde. La Chine, la vraie Chine est là, et il faut faire face justement à ce danger chinois. Et ce protectionnisme européen, donc là, je dis oui à tout ce que dit Marine Le Pen, par exemple, en matière de protectionnisme, mais comme l'a dit Maurice Allais, ce protectionnisme sera beaucoup mieux, ne pourra être défendu qu'au niveau européen. Et nous mettre des frontières au niveau de l'Hexagone, c'est contre-productif, nous aurons des représailles. Il nous faut un marché européen, il faut que ce marché soit défendu, contre des salaires plus bas, contre des normes environnementales. Et c'était la grande idée de Maurice Allais qu'on retrouve partout, que ce soit en matière de commerce, que ce soit en matière de monnaie et de cet euro. Il faut s'unifier, en particulier à l'Ouest, avec des économies comparables, pour bénéficier des économies d'échelle et avoir des solutions viables. Lorsqu'on nous dit, mais regardez, l'euro, ça marche pas, parce que la Grèce... Mais pourquoi est-ce que la Grèce, ça marche pas? Parce que nous avons fait la bêtise de faire entrer la Grèce en truquant les chiffres avec Goldman Sachs, et la Grèce n'aurait jamais dû rendre. Alors on ne va pas foutre en l'air l'euro parce que la Grèce, ça ne marche pas. La Grèce, ça ne marche pas parce que nous avons fait la bêtise de faire entrer la Grèce dans l'euro. Voilà. De faire cet élargissement de l'Europe qui a été fait avant de l'approfondissement de l'Europe, ça a été une erreur fondamentale. Donc cette Europe, cet euro, tout ça, ça aurait été un succès, mais malheureusement, ça a été un échec suite à l'irresponsabilité des dirigeants français qui n'ont pas fait leur travail en ne maîtrisant pas les coûts, c'est-à-dire que nous avons augmenté nos coûts alors que dans le cadre de la monnaie unique, il fallait au contraire les maîtriser, les diminuer. Ça a été un scandale. Et on vous dit, l'euro, ça marche pas. Ben oui, parce que l'euro, nous avons été des irresponsables. Alors évidemment que ça marche pas, mais c'est pas l'euro qui est en cause. Ce sont les gens irresponsables qui sont en cause. Voilà. Et pour toutes ces raisons-là, nous ne pouvons pas vivre uniquement avec un marché de 60 millions d'habitants. Qu'on le ou non, les faits seront plus forts que nous, et vous irez discuter des problèmes tarifaires avec la Chine, avec les États-Unis, si vous arrivez avec un marché de 60 millions d'habitants. Vous êtes mort avant même d'avoir commencé le débat, parce que la moindre représaille américaine, la moindre représaille chinoise, vous ne faites plus le poids. Voilà. Donc cette idée, oui pour l'identité française, contre la mondialisation, on ne peut échanger que si on reste nous-mêmes, c'est tellement évident. Si vous n'êtes plus vous-même, eh ben, vous n'avez rien à échanger, donc rien à donner. Un échange au niveau mondial ne peut être intéressant que si vous avez quelque chose à apporter par votre culture que vous gardez. Et un échange ne peut être, le mot échange ne peut être valable que dans la mesure où vous avez quelque chose à exporter si vous importez. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur cette révolution. C'est une révolution qui vient d'avoir lieu au FMI, à la Banque mondiale, où actuellement, et ça fait partie de l'ordre, c'est à l'ordre du jour du G20, on ne parle plus, il faut quand même les éditeurs en soient conscients, de libre-échange mondialiste. C'est-à-dire que, intellectuellement, la bataille intellectuelle a déjà été gagnée, puisqu'on ne parle plus officiellement au FMI et à la Banque mondiale, que de commerce équitable. C'est-à-dire que on part du principe, un peu tard d'ailleurs, parce que ça fait 40 ans que nous sommes victimes de commerce inéquitable et que nous avons perdu notre industrie. J'attire votre attention, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, l'industrie française ne représente plus que 12% du produit intérieur brut français. Alors c'est vrai qu'il y a eu externalisation, c'est vrai qu'il y a une partie de ce PIB qui était comptabilisé comme activité industrielle que l'on
retrouve en partie dans des activités de service, mais structurellement, nous vivons une décadence industrielle et qui ne s'arrêtera pas. C'est une mort lente inexorable. Lorsque Renault nous monte des usines au Maroc pour alimenter le marché européen, pourquoi est-ce que Renault fait ça? Parce qu'il n'y a pas de marché, de tarif protecteur européen. S'il y avait un tarif protecteur européen, jamais Renault aurait monté son usine assez importante à Oussa, je crois, au Maroc, parce que ça aurait été impossible étant donné qu'il y aurait eu des barrières. Donc là, on retrouve le point sur lequel Trump a entièrement raison vis-à-vis du Mexique, c'est qu'il faut savoir que la ligne Maginot, contrairement à ce que l'on nous dit, a joué un rôle, a été un succès, parce que la ligne Maginot, contrairement à ce qu'on nous vend, n'a jamais été... elle a été contournée, et la seule erreur qu'on a faite en 39-40, c'est de ne pas prolonger la ligne Maginot jusqu'à Dunkerque. Sinon, elle a joué son rôle, et même en la prenant par derrière, les Allemands étaient souvent bien embêtés, parce que vous avez des casemates qui étaient absolument imprenables, n'est-ce pas ? Alors, c'est un sujet très vaste. Lorsqu'on parle du mondialisme, en partant du général, en allant ensuite au particulier, on peut constater d'abord deux formes de mondialisme. Vous avez le mondialisme unilatéral qui consiste, et c'est le cas américain, à vouloir imposer une gouvernance mondiale en faveur uniquement des intérêts anglo-américains, anglo-saxons. Et puis vous avez l'autre tendance du mondialisme, qui est le mondialisme qu'on peut appeler planétarien, qui est, et ça c'est le cas de Poutine, qui est la défense des intérêts de chacun au sein de blocs continentaux. L'Eurasie, dans le cas de Poutine, qui l'a lancé, l'Union européenne, l'ALENA, dans le cas nord-américain, que certains voudraient transformer en Union nord-américaine, l'UNASUR pour l'Amérique du Sud. Et donc vous avez actuellement des batailles entre deux franges mondialistes. Une frange qui souhaiterait, c'est Poutine, c'est son fameux discours de Valdaï, où il dit donc qu'il faut mettre en place un nouvel ordre mondial politique, économique et juridique, avec des unions régionales, mais comme il le précise, nous n'arriverons pas, c'est en 2014, donc au temps de face à l'administration Obama, nous n'arrivons pas à nous entendre sur la répartition du gâteau, enfin, la part du gâteau pour chacun. Et c'est donc tout le problème du réglage. Et dans le cas de Trump, vous avez, et Trump l'a dit il y a quelques jours, une semaine, 15 jours, je ne sais plus exactement, il a dit « je suis nationaliste et globaliste ». Ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce qu'il souhaite, il tente, l'administration Trump tente effectivement de sauver, à première vue, d'après ce que j'ai lu et entendu, le travailleur américain face au problème du Mexique. Mais en même temps, les administrations américaines souhaitent une gouvernance mondiale avec un bloc américain, nord-américain, s'insérant dans une gouvernance mondiale. Et la chose, d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, vous avez des instances absolument acquises à la gouvernance mondiale qui vous balancent des informations, mais quelquefois très longtemps à l'avance. Et je vais vous en citer deux, venant d'une revue archi-connue et qui est vraiment acquise à la cause, c'est la revue The Economist. La première chose, et je peux déjà vous dire que ces documents sont dans mon livre. C'est la première chose, c'est en 1988, en janvier 1988, vous avez la revue The Economist qui mettait en titre « Êtes-vous prêt pour la monnaie mondiale ?» avec, sur la couverture de la revue, hein, un oiseau appelé le phénix, naissant des flammes et des cendres de trois billets en train de brûler, le dollar, le mark et le yen. Et dans cet article de 1988, il prévoyait la monnaie mondiale, appelée Phoenix, mais peut-être qu'il y aura un autre nom, peu importe, j'allais dire, le papier d'emballage, pour 2018. Donc c'est très intéressant, sachant que vous avez eu la mise en place des DTS, des droits de tirage spéciaux, en octobre-novembre 2016, avec l'arrivée du yuan. Yuan, enfin les cinq monnaies, yuan, yen, livre sterling, euro et dollar. Donc un panier qui devrait, si on suit leurs propos, servir de socle pour la mise en place de cette monnaie mondiale. Je rappelle, ce document, j'ai plus le titre en tête, mais on peut le retrouver sur le site du FMI de 2010. À l'époque, c'était Strauss-Kahn qui était le patron, qui évoquait la mise en place d'une monnaie mondiale appelée Bancor. Même mot utilisé par le fameux Keynes. Ouais. Voilà. Et
à mon avis, la frange mondialiste nationaliste américaine, qui donc voyait le dollar mis à l'encan, à mon avis, les problèmes de Strauss-Kahn par la suite, ça doit peut-être s'expliquer pour certaines choses. Et puis le deuxième document de The Economist, qui lui aussi sera dans mon livre « À classe du mondialisme », c'est la revue de 1990, septembre 1990, qui est très intéressant. Donc on est au moment de la chute du mur de Berlin, l'Union soviétique est sur le point de s'écrouler, on est dans la bascule entre deux mondes. La revue des économistes publie une carte avec un bloc, Eurasia, un autre bloc, l'Union européenne, accolée, littéralement détachée du bloc Eurasia, l'Union européenne décollée de ce bloc et attachée au bloc nord-américain. Donc l'annonce déjà une sorte de marché transatlantique avec donc ces deux blocs, l'Union européenne et l'Amérique du Nord accolés et de profil un médaillon représentant un sorte de représentant du Mayflower du XVIIe siècle, le puritain qui prie, pendant que Eurasia est représentée par un moine orthodoxe. Chose très intéressante, une grande partie de l'Union européenne est accolée au bloc nord-américain. Les États qui sont détachés de l'Union européenne et qui sont, eux, rattachés à Eurasia, c'est la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, l'Albanie et, je crois, la Serbie. Ah, donc, vous avez ces blocs. Vous avez le bloc musulman, islamistan, le bloc asiatique, Confuciania. Et vous avez la formule latine. Et j'allais dire, on reconnaît un peu la perversité anglo-saxonne très ironique qui vous met... Pour illustrer cette carte est à peine sérieuse. Et en fait, certes, je ne dis pas que c'est exactement le prototype exact qu'on va connaître, mais c'est en gros les contours avec des réglages un peu plus ceci, un peu moins cela. Donc c'est très intéressant. Et donc bien comprendre que ce mondialisme, d'abord, est un phénomène ancien. Le mondialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un messianisme pour créer une sorte d'unité humaine régie économiquement dans une sorte de grande bulle, mais régit aussi une sorte de spiritualité. Et une petite information, je le donne aux auditeurs de Radio Courtoisie, il y a des auteurs comme ça qui vous balancent des livres et des livres qui traversent les siècles. Je signale l'existence d'un livre qui vient d'être traduit en français, il y a deux mois de ça. Livre à l'origine sorti en 1895 en polonais, d'un auteur polonais qui était avocat, journaliste, qui s'appelait Alexandre Krauss-Haar, et qui a écrit un livre sur un agent du mondialisme du XVIIIe siècle qui s'appelait Jakob Frank. Le titre du livre, c'est Jakob Frank et le mouvement franquiste. Et c'est un livre qui vient d'être traduit en français en deux tomes aux éditions alors Hades ou H-A-D-E-S. Vous allez sur le site Amazon, il est dans deux tomes, ça vient d'être traduit en français. Et donc, pour comprendre les origines du mondialisme avec l'impact d'aujourd'hui, il faut se référer sur cette étude qui est absolument extraordinaire parce que l'auteur, Alexandre Krauss-Haar, s'est appuyé sur des pièces d'archives. Donc vraiment, j'invite fortement les auditeurs de Radio Courtoisie à se procurer ce livre, Jakob Frank et le mouvement franquiste, aux éditions AD. Et donc, ce mondialisme, et là, il est en action complète. Je rappelle cet élément. Le jour de la victoire d'Emmanuel Macron est allé au Louvre. Vous avez eu, certes, le coup de la pyramide, qui est tout un symbole avec, en arrière-fond, avec toute la gnose qui est derrière, l'esprit de Mitterrandien, qui était malheureusement plus proche du monde antique égyptien que de la France catholique. Ça, c'est François Mitterrand. Mais il y a une chose qu'on n'a pas relevée. Vous avez eu tout juste avant l'hymne à la joie de Beethoven. Avec la fameuse, vous savez, cette œuvre de Beethoven à la fin, l'Ode à la joie, avec ce chant extraordinaire, qui est en fait tiré d'un poème de Schiller, poète allemand du XVIIIe siècle. Et donc c'est sur cette musique-là que Emmanuel Macron a été donc présenté. Bon. Et il faut bien comprendre que l'Ode à la joie, tirée de Schiller, est en fait directement inspirée de l'esprit mondialiste. Ça peut étonner certains, mais c'est authentique. Vous avez dans l'œuvre de Beethoven, et donc s'appuyant sur le poème de Schiller, à un moment donné, il chante les Die Götterfunken, les étincelles de divinité, avec la volonté, il parle entre autres du Dieu qui est caché au-delà de la voûte céleste, avec en particulier le chérubin, der Cherubini, qui se tient devant Dieu. Eh bien, cette œuvre de Beethoven, s'appuyant sur le poème de Schiller, c'est du mondialisme.
car ça s'appuie directement sur la... Alors j'en parle abondamment dans mon livre « Atlas du mondialisme », mais je le dis d'avance, ça s'appuie sur une grande réforme du judaïsme du XVIe siècle, la réforme lourianique du rabbin Luria, qui vous parle des étincelles de la divinité en lien avec la gnose et du Dieu caché. C'est-à-dire que le poème de Schiller sur lequel Beethoven s'appuie, c'est directement inspiré de la Kabbale et de la gnose lourianique. Vous savez, ça a été le but de ce livre, d'expliquer les causes profondes qui quelquefois traversent les siècles. Et entre autres, qui est l'auteur extraordinaire qui explique parfaitement, qui est la référence à l'échelle mondiale, c'est un philosophe, historien et théologien, si je puis dire, israélien, qui s'appelait Gershom Scholem, qui explique ça merveilleusement bien. Moi, je voudrais faire simplement deux petites remarques. Sur la monnaie mondiale, je veux dire, depuis que l'homme existe, depuis Nabucodonosor, nous avons l'or, et qu'elle existe, la monnaie mondiale, et un jour, elle est, depuis 71, depuis que Nixon a déclaré le dollar inconvertible, on revient à ces schémas de Bancor et de Keynes, etc. Mais un jour ou l'autre, le bon sens, le réalisme, des choses simples, reprendront le dessus, et dans les esprits, et dans l'économie, et l'or triomphera. Et le bon sens, suite à ce que notre ami vient de nous faire remarquer, et là c'est l'auteur de Paris, Berlin et Moscou qui vous parle aussi, et qui est absolument scandaleux, si on réfléchit 5 minutes, si on veut voir la réalité en France, chose qu'on ne fait pas actuellement, c'est cette idée de poser la Russie, pas avec un bloc, vous avez États-Unis, Europe, alors qu'en fait, vous savez, les anglo-saxons, ils appellent ça, les Anglais et les États-Unis, lorsqu'ils ont toujours appelé ça d'une façon très familière, l'océan Atlantique, ils appellent ça « the pond ». Le pond, ça veut dire, c'est le marécage, c'est la petite mare au canard, vous savez. Bon, il faut savoir quand même que ce fameux pond, il a fallu quand même que Christophe Colomb, des siècles se sont passés avant qu'on ose le franchir, ce pond. Et le pond, il a été franchi qu'en 1492 par Christophe Colomb, donc il est là. Alors que je rappelle aussi aux éditeurs, à nos chers auditeurs, qu'on peut marcher de Brest jusqu'à Vladivostok sans passer, sans avoir l'océan Atlantique à franchir. Donc ça, c'est le bon sens de cet espace qui un jour triomphera, qui est le bon sens européen de faire ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire qu'il y a une Europe carolingienne, un regroupement des forces à l'ouest, parce qu'il ne s'agit pas de s'aplatir devant la Russie, il ne s'agit pas de remplacer un maître par un autre maître, n'est-ce pas ? Il s'agit d'être ami des Russes, mais tout en se faisant respecter par ses amis. Alors, actuellement, nous ne sommes même pas respectés par les Américains, nous sommes une colonie américaine en Europe. Et donc, de retrouver une force géopolitique, économique à l'ouest, qui tout naturellement se rapprochera, qui serait idéalement centrée sur le Rhin, et qui se rapprochera de Moscou, centrée sur la Moscova, et sans être sorti d'une grande école française de polytechnique ou d'une autre institution célèbre, on aura réalisé d'une façon très simple cette Europe de Brest à Vladivostok, c'est-à-dire le Paris-Bonne-Moscou, qui sera à même de défendre une civilisation européenne. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, votre invité qui a attaqué la Pan-Europe n'a manifestement jamais lu le manifeste Pan-Europe de Cloudenhove Kalergi. La Pan-Europe n'est nullement mondialiste mais vise au contraire à promouvoir une Europe puissante et indépendante. » Voilà, ça rebondit sur ce que vous... Elle est mondialiste, ne serait-ce que il suffit d'aller de voir les documents officiels. Elle part de syncrétisme des religions, islam, judaïsme et catholicisme. Ça, c'est du mondialisme. Je rappelle les propos de Richard de Cloudenhove-Kalergi dans son livre Idealismus, Praktischer Idealismus, Idéalisme pratique, sorti en 1925, que j'ai vu aussi traité dans mon livre Atlas du mondialisme, où il parle du catholicisme, du christianisme, en disant que c'est un judaïsme régénéré. Alors ça, c'est la gnose à plein nez. C'est donc ce monsieur qui lise mon livre Atlas du mondialisme et qui aille sur le site Retour aux sources pour avoir le bouquin le plus rapidement possible. Mmh. Et petite information au sujet de l'Union européenne et la communauté eurasienne lancée par l'Union eurasienne lancée par Vladimir Poutine, il y a une chose qui est très intéressante. À ma connaissance, 3 fois de suite, Vladimir Poutine a
lancé l'idée de créer un bloc unifié entre l'Union européenne et l'Eurasie. Et je crois que la dernière fois, c'est janvier 2014, lors d'un sommet entre l'Union européenne et la Russie, à Bruxelles. Je rappelle quand même cette chose intéressante, c'est que Vladimir Poutine parle de créer donc un bloc unifié allant de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, jusqu'à Vladivostok. C'est quand même ironique de se dire que ce que propose Poutine correspond exactement au livre de 1984, où vous avez Océania, Eurasia et Estasia, et vous avez un bloc qui réunit l'Europe et la Russie. C'est quand même ironique. Il y a quand même une chose qui m'étonne, et c'est le bémol que je mets au sujet de Poutine, tout en étant d'accord avec certains de vos propos, monsieur Rosset, c'est que Poutine s'oppose avec raison à la décadence, enfin à ce qui se passe en Occident, mariage pour tous, etc. Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais pour quelqu'un qui veut défendre les valeurs traditionnelles comme il souhaite, comme il tente de le faire en Russie, s'il crée un bloc unifié, Union européenne et l'Eurasie, avec libre circulation des biens, des personnes, etc., c'est aussi la libre circulation des idées. Et donc les idées pourries de l'Occident, ben, il va les faire venir en Russie. Et vous savez, le mal est contaminant. C'est-à-dire qu'il risque... Il court le risque de se faire contaminer par des idées qu'il réprouve. Et donc, il faut qu'il fasse attention. Il y a une forme d'illogisme dans cette proposition de la part de Vladimir Poutine. C'était un peu la position de Solzhenitsyn, hein, disant l'Europe nous a contaminés. Et à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec la Russie. Les Russes nous disaient, mais vous nous avez exporté non pas le libéralisme, mais la corruption. Ils avaient déjà un petit peu avant, mais ils ont... Oui, c'est le revers de la médaille. Je pense s'il y avait un rapprochement Europe-Russie, au contraire, c'est le souhait qu'il y ait une révolution conservatrice à l'Ouest européen et que nos idées triomphent et que nous nous rapprochions de la Russie. Donc, dans l'esprit de Poutine, dans le mien et dans beaucoup d'autres d'esprits patriotes, et c'est là où on sent bien qu'on ne peut pas avoir un patriotisme étroit, étriqué, hexagonal. Il faut voir au niveau européen, il faut penser aussi migration, c'est les problèmes que connaît la Russie vis-à-vis de l'islam, etc. On ne peut pas vivre dans le monde se mondialise techniquement, par la technologie, ça on ne peut pas on ne peut rien faire. Il y a des réalités qui sont là. Avant on avait des petits artisans, on avait des petites fermes. Bon, il faut vivre aussi à l'échelle du 21e siècle. Mais l'idée, dans l'idée de Poutine, dans la mienne, c'est au contraire que nos idées triomphent, les idées qui sont les idées du FN finalement, ces idées triomphent et que nous ayons une civilisation européenne dans un bloc qui serait lui-même constitué de deux sous-blocs, qui serait donc l'Europe de l'Ouest et la Russie, cette Russie immense qui va de la Pologne jusqu'au Japon. Alors un élément à mon avis très important et qu'on a vécu après l'effondrement du mur et la libération de ces pays d'Europe centrale, c'est que les systèmes marxistes ou autres ont énormément de défauts, mais un système éducatif qui permettait d'avoir des gens sortant des écoles, des universités, etc., capables de monter toujours. Moi, j'ai vécu ça en Pologne, où ils sont passés d'une époque où, pour aller à un supermarché, vous avez travaillé dans un supermarché, pour aller au supermarché, j'avais demandé quels sont les vendeurs qui viennent vous voir. Ils disent, mais non, on prend notre camion, on va voir qui peut nous livrer. Et 3 ans plus tard, on avait des forces de vente qui avaient des systèmes de lecture optique, qui allaient lire les codes barres dans les magasins sur les rayons, alors qu'en France ou en Allemagne, on avait toutes les peines du monde à faire évoluer nos forces de vente. Mmh. Et je pense que c'est un des éléments, pour moi, qui est aujourd'hui peu, disons, assimilé par nous sur la capacité de la Russie, justement, intellectuellement, à évoluer. Mais très vite. Vous avez vu ces dernières informations sur les Russes, qui sont les numéro 1 en matière d'informatique, oui, avec leur fameuse école de Moscou, là, qui remporte tous les prix depuis plusieurs années. C'est une razzia sur... Ce sont des matheux. Il y a un génie russe. Des musiciens. Ouais. Moi, je souhaitais apporter quelques éléments factuels à notre débat sur la mondialisation.
Si on a le temps de les aborder, vous dire un mot sur la route de la soie, la démographie russe, informer nos auditeurs aussi que la Russie actuellement est en train d'installer une base militaire au pôle Nord, ça peut intéresser, ce sont des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et le fait que le Japon, je pourrais aussi m'étendre un peu sur ce sujet, est en train de se rapprocher de la Russie. On va expliquer pourquoi si nous avons le temps. Alors qu'actuellement, pour des raisons de conflit sur deux malheureuses petites îles, ce rapprochement entre le Japon et la Russie ne pouvait pas se faire. Alors un petit mot très rapide, parce que je crois aussi que le temps est en train de passer un petit peu. On n'aura peut-être pas tout à fait le temps. Sur la route de la soie, la Chine étant consciente de la force, l'opposition bien connue entre le monde de la mer et le monde terre-mer, est en train de travailler pour revitaliser la route de la soie. Xi Jinping vient d'organiser un colloque à Pékin. Avec des projets absolument énormes, puisqu'on parle d'une enveloppe de 1000 milliards de dollars sur des projets ferroviaires, des projets d'autoroutes, pour réanimer cette fameuse route de la soie, avec en particulier des lignes ferroviaires qui passeraient de Chine au Kazakhstan et qui, compte tenu de l'influence de la Russie actuelle, finiraient en Biélorussie et ne finiraient plus en Ukraine. L'Ukraine étant le grand perdant de tous les nouveaux ports d'arrivée de ces nouveaux axes Est-Ouest. Les Chinois ont essayé de contrer cette influence maritime avec des ports à Gandwar, au Pakistan, à Ceylan, vous savez qu'ils viennent d'installer une base à Djibouti, mais il y a cette approche qui est un intérêt chinois, les grands défendeurs actuels du libre-échangisme, évidemment, parce qu'ils en sont les grands bénéficiaires, et qui n'a pas été signé à Pékin par les Européens, parce qu'ils y ont vu une menace de pénétration des produits à bas coût en provenance de Chine. Alors voilà en ce qui concerne la route de la soie. Sur la démographie russe aussi, je voulais attirer votre attention, chers auditeurs, qui a été catastrophique suite à cet écroulement de l'URSS et du mur de Berlin, qui était redescendu avec un taux de fécondité de 1,19 enfants. Et là, Poutine a amené une vision. Alors Macron, si vous l'entendez parler une seule fois des problèmes démographiques, lui-même qui n'a pas d'enfants comme Madame Merkel, je vous souhaite bien du plaisir. Eh bien, Poutine, lui, qui a une vision étatique, qui s'est rendu compte que c'était un problème fondamental de survie de la Russie à terme. Un peuple qui n'a pas d'enfants, c'est un peuple qui meurt. A quand même réussi à faire passer ce taux de fécondité à aujourd'hui de 1,17 enfants par femme à 1,89. Bon, c'est-à-dire c'est au-dessus du taux français, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les Européens ne se reproduisent même pas. On nous dit que nous avons les cocoricos démographiques, nous sommes à 2,1 moyen uniquement avec l'apport des 70% de naissances non européennes en Île-de-France. Donc c'est des cocoricos tronqués médiatiques. Et qu'est-ce qu'il a fait Poutine ? Eh bien lui, il a pris des idées très simples, un capital pour les enfants à la naissance, des choses simples, tout ce qui marche, n'est-ce pas ? Revitaliser la société traditionnelle en se rapprochant de l'Église orthodoxe. Donc le modèle en Russie aujourd'hui, il faut le savoir, c'est le modèle de la famille traditionnelle avec trois enfants et non pas deux. Le troisième enfant, c'est la mort de l'Occident. Mais d'ailleurs, si vous me permettez, je reviens. Une des causes probables de l'éclatement de l'Union soviétique, c'est que à l'époque, la Russie, enfin l'Union soviétique, devenait de plus en plus asiatique et musulmane. Mmh. Et la Russie, en fait, l'éclatement, ça a été pour permettre à la Russie et puis l'Ukraine, etc., de rester, garder leur identité. Oui. Alors une petite information au sujet de la route de la soie. Route de la soie, c'est un élément capital à connaître. Donc volonté d'établir des voies ferrées, routes, etc., de voies de communication en tout genre avec la Chine, la Russie, l'Asie centrale, et volonté de la part de certains de vouloir greffer certains pays, dont l'Allemagne, au sein de cette route de la soie. Et l'élément clé qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous avez une bagarre à mort entre les puissances maritimes, le monde anglo-saxon, face aux puissances continentales, Russie et Chine. Et la bagarre
En gros, la zone géographique, c'est entre la Turquie et les côtes du Yémen, donc toute la péninsule arabique et la Syrie, évidemment, puisque si les Russes et les Chinois arrivaient à contrôler cette zone-là, ils pourraient verrouiller ce bloc eurasiatique en un seul bloc, et tout ça au dépend des Anglo-Américains. Bon, et c'est la fameuse politique de Mackinder qui consiste à refouler, etc. Petite information, l'histoire de la route de la soie, c'est un phénomène ancien, ça a commencé déjà en 2e siècle avant Jésus-Christ, avec la sorte de route de Samarcande en Ouzbékistan, donc qui est à mi-chemin entre la Chine et l'européen, le monde européen. Mais il faut savoir que l'expression « route de la soie » est une expression récente. C'est un géographe allemand du 19e siècle qui s'appelait Ferdinand von Richthofen, qui en 1877 a inventé l'expression « Seidenstraße », « route de la soie ». Et d'ailleurs, j'ai un document là-dessus sur mon bouquin « Atlas du mondialisme ». Et donc, c'est très intéressant de voir que c'est une politique ancienne. D'ailleurs, pour information, ce Ferdinand von Richthofen a eu un neveu qui s'appelait Manfred von Richthofen, qui était le fameux baron rouge, aviateur célèbre de la Première Guerre mondiale. J'en profite pour signaler en 30 secondes que je fais une conférence à Nice le dimanche 11 juin à 16h30 et que vous pouvez avoir toutes ces informations sur le site Culture Populaire, www.cultpop.fr, donc à Nice, le dimanche 11 juin à 16h30. Merci beaucoup, monsieur. Oui, alors... Juste un mot pour conclure, parce que l'antenne va nous abandonner dans une minute ou deux. Dirais le mot pour conclure, le cri du cœur, c'est oui pour garder notre identité, mais en même temps être conscient des réalités du 21e siècle, et ce n'est pas en restant retranché derrière l'hexagone, d'une façon bête. Si il faut nous retrancher dans l'Hexagone et en Europe d'une façon intelligente. Voilà mon message. L'idée étant de garder notre liberté et de prospérer économiquement et d'être capable de nous défendre militairement. Et pour avoir une armée valable au 21e siècle, eh bien, il faut, si on fait des Airbus, c'est parce qu'on s'est rapproché de l'Allemagne, qu'on le veuille ou non. Voilà. Effectivement, une France ouverte sur le monde, ça va de soi dans tous les domaines, ne pas vivre recroquevillé, mais une France qui conserve ses traditions nées du baptême de Clovis, ce qui nécessite aussi un État, malgré tout, français solide, car la France doit rester éternelle. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et je crois que, finalement, une heure et demie, c'était bien trop court pour tout ce que vous aviez à dire. Je vous en remercie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolland, dirigé exceptionnellement aujourd'hui par Jean Larmande, assisté de Ségolène, diffusé lundi 22 mai 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix, franc de port, de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.